Team Morel, mon gars, Team Morel. Tu veux des crédits, va sur youfifa.com. 5% de réduction avec le code GO. Tes crédits livrés dans les 5 minutes. Tu peux maintenant avouer que tu es en route. Si tu as les rapides totalement sécurisés, je peux t'assurer qu'ils sont pas là pour t'enculer. Maintenant t'as plus le choix, faut aller sur YouFIFA pour avoir plein de crédits et s'acheter Camara. Yo les gars, c'est Lurkeeper, vous êtes bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau pack opening pour la nouvelle équipe de la semaine qui pète sa mère quand même, on peut le dire, regardez-moi ça. Bientôt les 10 000 abonnés en plus les gars, donc vraiment merci à vous. Merci. Pour les 10 000 abonnés, je ferai sûrement une FAQ parce qu'on me la demande depuis extrêmement longtemps. J'en ai pas fait une depuis le début de ma chaîne, donc je pense que vous avez pas mal de questions à me poser, en tout cas je l'espère. Là on a l'équipe de la semaine avec Griezmann, excusez-moi. Oui, aujourd'hui c'est Joe Hockey. Pourquoi Joe Hockey? Parce que c'est Joe Caf avec le hockey. Ouais, j'ai le hockey. Je peux pas tourner ma vidéo à un autre moment, donc vous entendrez des fois des petits comme ça. C'est simplement j'ai le hockey. C'est mi-hockey, mi-ro en fait, voilà. La vidéo sale, on peut dire la vidéo sale. Donc, dans cette équipe de la semaine, il y a du Griezmann, du Robben. Il y a Rabiot, lol. Voilà, Adrien Rabiot. Il y a David Silva 90, Pirlo, Candreva. Donc on va pas se priver de paquets des gros joueurs. Et donc, est-ce que le hockey va nous porter chance? Peut-être est-ce une préméditation de Jésus? Je ne sais pas. En tout cas, nous on va paquer, je pense, pour jusqu'à, je réfléchis, 650 000 crédits à peu près. Donc là on est parti pour un bon petit moment de pack opening. J'espère que ça vous plaira. Donc là Griezmann tout le temps sur les pochettes, on est habitué. Et on pack Dost qui était boosté donc la semaine dernière. Donc paye ta chance, paye ta chance. Donc le reste on balance. On a du Agassi, etc, autre connerie. Encore Griezmann sur la pochette. J'espère que c'est pas un bug, sinon ça risque de me casser les couilles le skip. Ryo Mavuba, bah oui les gars, ça commence bien Ryo Mavuba. C'est ce qu'on voulait. Grave, on va le virer. J'ai viré pas mal de joueurs de mon club, donc ça fait que maintenant on verra plus les joueurs dans les doublons. C'est vrai que ça m'énervait un petit peu d'avoir que des doublons dans mes packs. Et donc là on touche. Non, Jonathan. Jonathan plutôt. Jonathan. Parce qu'il est, il parle portugais vu qu'il est brésilien. Donc je sais pas vraiment comment on dit en fait. Sinon on pack tous les joueurs de l'Atlético Bilbao. Et puis le reste on balance. Nous on veut du booster. On veut du booster les gars. Enfin moi c'est ce que je veux. Après vous. Vous faites comme vous voulez, vous organisez les gars. Mais moi je veux du booster. Et donc Hazard on skip. Subotic. Tiens, Marco Marin version Anderlecht. J'ai pas envie de tester, mais on va le conserver. Subotic. Et puis après, bah le reste, bah c'est plutôt light. On a du Moussa Sow qui était pas boosté la semaine dernière, je crois. Encore deux joueurs du Fenerbahçe, c'est vraiment du foutage de gueule. Deux joueurs de Bilbao, deux joueurs du Fenerbahçe. Je sens le pack opening de merde. Voilà, je veux pas faire le ouf, mais oui, allez. Encore des mauvais joueurs, mais de toute façon, on a le temps. On va pas commencer à mettre une mauvaise ambiance dès le début. Il y a le temps. On peut packer du lourd. On pack presque 250 000 crédits. C'est un quart de million. On pack quand même un quart de million de crédits. Forster, bah oui. Pour un quart de million de crédits, j'espère quand même qu'on va toucher du lourd. Parce que je peux vous dire que pour un quart de million de crédits, il y a moyen de s'acheter du très très lourd sur le marché des transferts, les gars. Allez, David Alaba, le chauve. Ouais, t'es un peu chaud, on peut le dire. Et tu nous donnes Jarvis. Jarvis. Joueur que j'adore packer, hein. Je le pack tout le temps. Il y a des joueurs comme ça qu'on pack tout le temps. Dites-moi quel est le joueur que vous packez tout le temps. Mais moi, sincèrement, c'est des joueurs comme Jarvis que je pack tout le temps, qui m'énervent. Je suis au bout du rouleau. Quand je les vois, bah, j'ai plus aucune réaction. Et là, on tape. Ok, que des doublons. Voilà. Le pack qui fait plaisir, El Arabi, Ogner, tout ça. Que des doublons. Donc, on va balancer dans le club. Ça m'énerve de packer que des doublons. Puis j'ai chaud, les gars, en ce moment. Il fait un petit peu chaud quand même en ce moment. Là, on est le 26. Il fait pas trop froid, moi je tape des foot et tout, il fait beau. Donc là on Markovic. C'est mauvais ça. On que des joueurs de Barclay. On va tout conserver. On a du doublon. Oui. Un cardiologue. Génial. Un cardiologue les gars. J'aurais pas attendu mieux de IA. Ah là-bas, on skip. Ok. Ok, ok. C'est quoi? C'est quoi cette dinguerie là? Je pense qu'on est maudit. Va falloir faire une incantation un jour. Je pense que je vais aller chez une voyante ou un truc dans le genre. Ça pourrait faire une vidéo marrante. Je vais aller chez une voyante et je vais lui demander pourquoi j'ai que de la merde dans les packs. Ça peut vraiment être marrant. On a Gignac up. On le liste. Pour que quelqu'un puisse en profiter, on le met à 200. Comme ça, quelqu'un en profitera. Puis le reste, bah, on conserve dans le club. Je vais tout jeter. Merde. Bon, c'est pas grave. Howard. Allez, tu me donnes peut-être pas un up, mais peut-être un boosté quand même. Un petit grizzly. Un petit grizzly. Tif. On devra se contenter de Sarna. Voilà, qui est plutôt mauvais. Mexer. Quoi qu'il a des bonnes stats, hein, mais il est un peu lent.
Ouais, il est très complet. C'est vrai que sa moins bonne stat, c'est 72, mais c'est sa vitesse. Et c'est problématique pour un joueur de côté. On continue. T'aurais pas pu filer à Gassa. Je dis ça, je dirais. Même, vous savez, même moi, un petit boosté, je serais heureux, les gars. Un petit boost, hein. Je demande pas à Zidane, les gars. Je demande un petit joueur boosté, quoi. C'est tout. Je demande pas, moi, de paquer Robben. Robben, je sais que je le paquerai pas. Mais un petit boosté, juste pour me dire. Genre cave quand même, on regarde tes pack opening. Maintenant, ce serait cool que t'aies un peu de chance, tu vois. J'essaie aussi de passer en ratio négatif. Je pense que je vais essayer de passer comme ça. Puisqu'un ratio positif, ça donne pas trop trop de chance. On tape Manu Del Moral, voilà. Je retiens les prénoms comme ça. Hein. C'est moi ou Mexer et Sommer, on les a eu au dernier pack. J'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum, donc on va relancer la boutique. Tac. Tac. Oh 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 oh. Messi sur la pochette, allez. On skip. Falcao! Je sais pas si ça vaut cher, je sais pas si ça vaut cher, compare prix. Vas-y. Vas-y, ça vaut 10 000 crédits. Bon, vas-y, je le même pas, je le vends. Putain, j'ai pas qu'un 88 de général, et puis là. Some of the item can't be stored in your club. Ouais, ouais, merci, tranquille. Je comprends rien de ce que tu me dis. Allez, on continue. Bon, bah. Un 88 de général, malheureusement, c'est pas un joueur qui vaut très très cher. Je suis un peu déçu. Je suis déçu parce que là je pense que ça va nous niquer notre chance pour tout le pack opening. Char, Sadrian. C'est un joueur de 88 de général. Ça aurait pu être Agüero, tu vois. Mais non. Non, non. Fallait que ce soit Falcao. Ça fait plaisir, mais d'un autre côté, ça fait quand même chier. Parce que c'est que 10 000 crédits gagnés sur un Falcao. Comme un buteur de United, un joueur qui est un des meilleurs buteurs d'Europe, c'est quand même chiant. Chiant plutôt, on va dire, ouais. On va comparer les prix de Austin. Il vaut rien. On peut le dire, il vaut rien. Mais il a des belles stats, le petit Austin. Qui vient de loin, je vous invite à aller regarder un reportage. J'avais vu sur lui un reportage fort intéressant, je me rappelle plus forcément de c'est un reportage sur quoi et de quoi précisément. Mais c'était sur sa vie, je sais plus sur quelle chaîne c'était, mais c'était vraiment intéressant, voilà, c'est un joueur qui vient de très très loin, qui a pas eu la chance des autres joueurs, Müller. Putain, Müller, il était boosté la semaine dernière. Eh, vous êtes inutile, hier, putain, vous pétez les reins, quoi. Combien tu vaux, Müller? Oh, allez, 7000 crédits, on va te conserver, mais... Sincèrement, Müller quoi. Müller il aurait pu pas me le filer de la semaine dernière quoi. J'ai packé tous les joueurs dans une Team of the Week, c'est une dinguerie. Fofana et Osuna là, on vend. Putain, c'est. Eh, ça c'est un truc de malade. J'ai packé tous les joueurs de l'ancienne Team of the Week. Tous les joueurs. Wissam Ben Yedder. Ok, génial. Et puis le reste, Florent Thauvin. On va packer tous les joueurs de l'OM quoi. Malheureusement, il n'y en a aucun de boosté. On continue les gars. Quand même de bons joueurs, hein, 86, 188. Mais le problème, bah, c'est que ça vaut pas cher tout ça. Ça vaut pas cher. Et oula, Anne, ça c'est de la merde. C'est de la bonne merde même. Allez, Ocampos, quand je vous dis qu'on packerait tous les joueurs de l'OM, c'est parti. C'est parti, Ocampos. Joe, ok, allez, c'est parti. Eden Hazard, est-ce qu'on va toucher un nouveau joueur de l'OM? Arteta? Non. On pack plus de joueurs de l'OM. Donc là, comme ça, c'est bien. Nickel, Arteta, on va le conserver, même si je l'ai vendu il y a pas longtemps. Puis Subotic, qu'on a déjà packé, parce que nous, c'est vrai que. Voilà, on pack pour 200 000 crédits de pack, mais on pack 20 fois les mêmes joueurs. Ce qui est beaucoup plus drôle. Colocini, Adin. Ah, Sissoko, je le voulais. Je le voulais, le petit Sissoko MOC. Je vais voir s'il vaut cher. J'espère qu'il vaut cher, quand même. J'espère. Allez. Oui, non. Non, non, ça vaut 1500 crédits. Ça ne vaut rien du tout. Hein. Voilà. Moi, pour moi, un bon joueur, c'est un joueur à plus de 100 000 crédits, je pense. Hein. Pour rentabiliser ce pack opening, là, il faudra un joueur qui vaut 200 000. Donc un boosté. Et là, on touche. Flano. Voilà, voilà. Voilà. Est-ce qu'il est bon, le petit Finn Bogason? Non. Non, non, 2 étoiles, geste technique. C'est pas mon kiff, hein. On va dire ça comme ça. On continue. Le petit Antoine Griezmann qui nous file. Olson. Non. T'as trop de cheveux, frère. Va chez le coiffeur un peu. C'est pas un style. C'est un truc. C'est pas bien. Le reste, on balance. Allez. On continue. On continue. On s'arrête jamais. On s'arrête pas. On n'a pas de limite. Putain, Maxime Gonalon. Maxime Gonalon, sincèrement. J'enlève mes écouteurs là, parce que là je suis au bout du rouleau. Oui, on va vendre le reste. Il nous restait presque 70 000 crédits de pack. Ça peut encore le faire. À peu près 10 packs encore. Antoine Griezmann. Et c'est Vieto. Vieto, un joueur transféré lui aussi. Qui m'intéresse pas. Encore Ocampos, c'est un joueur de l'OM. J'aime bien l'OM. Mais si vous voulez, je peux changer mon club. Et comme ça, je sais pas, je prends le Real Madrid et j'ai beaucoup plus de chances de packer des gros joueurs. Je dis ça, je dis rien. Allez, David Alaba, tu skips. T'as un joueur. Putain, encore Thauvin. Mais c'est du maraboutage. Vous vous rendez compte, les gars? On pack que des joueurs de l'OM.
que des joueurs de l'OM. C'est un truc de dingue. C'est quoi ce truc? Il se passe quoi? Pourquoi j'ai que des joueurs de l'OM? C'est un truc de malade. Je comprends pas. Là vraiment je comprends pas. Soldado, Amori, Melmes. Ok mais waouh. Pourquoi il se passe ça? Je vous le demande. Pourquoi est-ce que j'ai que des joueurs de l'OM? C'est choquant. Vous avez vu le nombre de joueurs de l'OM qu'on a eu depuis le début? À chaque fois? On a paqué je crois 3 fois Thauvin, 2 fois Ocampos, 2 fois Gignac. C'est un truc de ouf un peu, non? Et moi ça me perturbe un peu. Je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une machination? Est-ce qu'il y a une machination? Moi je vois bien une petite machination les gars. Allez on skip. Naldo la version up je crois. Oui c'est la version up de Naldo, 81. La version normale était à 80. Le reste on laisse dans le club. C'est bizarre tout ça. C'est bizarre, j'ai peut-être pas signé pour ça moi je vous le dis. Allez Griezmann tu skip. Thomas Rosicky et Vermeer, Thioté, Colotto. Pack de qualité française les gars. Pack de qualité française. Allez on continue. On ouvre. Allez, à là-bas, oui. Non. Non, c'est dégueu. C'est pas propre tout ça, c'est pas propre. Svajic aussi. Allez, encore, let's go. Force the glory. Putain, tu joues Real Madrid, tu pouvais pas être un bon joueur. Dost encore, voilà. Yara Mendy. On va dégager tout ça, voilà, merci bien. Allez, encore. Allez, oui. On skip. Tac. Aurier, non. Allez, dernier pack. Après, on arrête ce pack opening. C'est parti. J'avais dû jusqu'à 650 000 crédits. On y est peut-être pour la gloire. Pour la gloire et l'honneur. Gabriel. Voilà. J'adore la gloire et l'honneur. Moi, je suis un très gros fan de gloire et honneur. Et voilà. Voilà, j'adore l'honneur, j'adore la gloire. On vend tout ça. Et ben voilà les gars, on n'a rien paqué, enfin rien, on a paqué Falcao, on a paqué Sturridge et Muller, des joueurs forcément un gros général mais qui servent pas à grand chose, je vous l'avoue, parce que à 88 de général, regardez-moi, même Agüero n'a pas 88 de général, qu'on se le dise, Sergio Agüero a 86 de général, pourtant il vaut très cher, alors que son ami Falcao ne vaut rien, regardez, je cherche dans mon club, Falcao il est juste ici, voilà. Il vaut rien. Même Gareth Bale. Gareth Bale, c'est 500 000 crédits. Falcao, c'est 10 000 crédits. À tout péter. C'est chaud, ma gueule. Donc voilà, c'était Jorka. J'espère que ce petit pack opening t'a plu. Si t'a plu, pose un like. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux. C'était Joe. Bye tout le monde. C'était Joe, ok, aussi, faut dire. Allez, bye.